Bonjour à tous, nous sommes vendredi 8 janvier. Vous êtes bien sur la chaîne Mes Secrets de Nana. Donc je n'ai pas d'autre chaîne d'arrivage, c'est la seule chaîne d'arrivage que j'ai. Je m'appelle Razika. C'est parti pour un petit tour à Action de Créteil. Alors petite nouveauté, je vous en ai parlé hier de ces tapis-là, puisqu'il y a des tapis qui ressemblent à ceux-là, mais c'est pas la même, ils ne sont pas de la même épaisseur et de la même taille. Ceux-là font 1,50 m sur 2 m. Alors je les ai vus de cette couleur, je les ai vus aussi en gris. Et ceux-là sont à 39,95 €. Donc ça c'est taupe. Petit tour côté peinture avec ce set de dessin dans une boîte en bois à 6,99 €. Une nouveauté dans les tabourets aussi, avec ces tabourets, vous savez, un petit peu, j'appelle ça un petit peu mouton. Hein. C'est une nouveauté puisqu'ils existent aussi en velours, mais maintenant ils sont de cette matière-là. Et on les a aussi en velours noir avec les pieds noirs. 9,95 €. Bien évidemment, on a ces tabourets empilables en velours. Donc il y a trois couleurs, vert, taupe et noir. Ces petites bougies parfumées dans un petit verre à thé à 1,38 €. On a le thé noir, ginger thé, le thé au gingembre. Et on en a une thé menthe. Je sais pas, mais moi j'aime beaucoup les boîtes. D'ailleurs, on peut les ouvrir, donc je me permets de l'ouvrir. Et qu'à l'intérieur, la bougie est comme ça. La nouveauté aussi cette semaine, c'est cette étagère murale XL. XXL même. Alors des étagères comme ça, on en a vu plein. On en a vu des plus courtes, des plus hautes, des moins hautes. Aussi hautes, non, c'est la première fois que je vois aussi haut. Elle fait 1,75 m et en fait il y a plusieurs compartiments, on va dire ça comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je ne sais plus compter, 2, 4, 6, 8. Donc elle fait 78 cm sur 30 cm de profondeur sur 1,75 m. Elle est à 49,95 €. Et à côté, on a la fameuse étagère murale à 14,95 €. Donc on l'a avec les contours blancs. Je regarde ce qui reste. Et blanc. 14,95 €. On retrouve ce mélange de déco boule et fleurs à 2,99 €. Il y a deux modèles. Hein. Il y a celui-là et si on cherche bien, on en a un deuxième. Alors moi, j'ai pris celui-là il y a quelques mois. Avec la petite fleur. Vous pouvez mettre ça dans un vase, dans un plateau. Alors l'idéal, c'est d'avoir un petit vase en bois. C'est très sympa. 2,99 €. Retour des cordes de jute à 1,59 €. Le retour aussi de ce terrarium. 7,95 €. Alors il existe deux couleurs. Il y a cette couleur et il y a cette couleur. Il fait 30 cm de hauteur. Tiens, les petites boîtes en verre, ça fait longtemps que j'en avais pas vu. Je sais que vous êtes beaucoup à apprécier le verre pour conserver. C'est 99 centimes la petite, donc 38 centilitres, c'est plus simple. 38 centilitres. Et on a celle-là, donc la 82 centilitres à 1,62 € avec le couvercle. Retour aussi de ce plateau tournant en bambou, il est à 5,99 €. Donc c'est très sympa, soit à mettre au milieu de la table et du coup comme ça quand vous posez vos apéritifs, etc., les personnes peuvent tourner et avoir accès. Soit vous pouvez mettre aussi dans un placard et comme ça vous avez accès à ce qu'il y a au fond. Donc par exemple vous mettez, je sais pas, par exemple, vos pots d'épices et puis du coup vous tournez et vous n'avez pas besoin d'aller au fond du placard. 5,99 €. Je remonte ces sets de table, donc il y a deux nouvelles couleurs. C'est 2,99 €, donc là on a bleu marine et un sorte de doré. Et on a le prune. Tiens, réassort aussi de cet organiseur avec plusieurs petites boîtes de rangement. Il y en a exactement 12. Alors on peut faire plein de choses avec ce petit organiseur. Alors beaucoup s'en servent dans les loisirs créatifs, perles, etc. 3,49 €. Et ça c'est un retour. Ça faisait un petit moment que je n'en avais pas vu. Niveau des tiroirs, on a ça. Alors celle-ci, elle est arrivée, je crois, début décembre.
Et en fait, on peut y mettre un petit peu, réorganiser un petit peu ce qu'on veut. Hein. Pourquoi pas ses outils, pourquoi pas. Alors, c'est trop petit pour mettre des papiers. C'est 6,99€. Alors, la dernière fois, j'ai vu quelque chose. Alors, c'était plus petit, mais je partage quand même l'idée. Hein. C'était pas ce genre de tiroir. Une personne qui avait mis ce genre-là dans son réfrigérateur. J'ai trouvé ça rigolo, enfin rigolo, j'aurais jamais pensé à mettre une sorte de commode comme ça dans un réfrigérateur. Donc c'est les plus petits, et du coup après, voilà, moi j'aurais jamais pensé. Donc 6,99€ celle-ci, mais je crois que celle-ci elle est beaucoup trop grande. Alors en petit rangement, on a ça aussi, cette boîte pareil hein, pour les loisirs. 2,39€, il y a des deux côtés. Et pareil, une fois, une des abonnées avait partagé sa petite astuce, c'était de s'en servir pour ranger les petits jouets de ses enfants, donc notamment, vous savez, c'est vrai, les Playmobil, il y a toujours des petites pièces Playmobil ou Lego, donc ça peut être une idée originale, surtout si vos enfants sont fans de Playmobil et de Lego. Et c'est vrai qu'on a toujours plein de petites pièces, je sais pas, des chapeaux qui traînent, des épées, enfin bref, ça peut être une idée aussi. Donc celle-ci est à 2,39€. Moi j'aime bien ce matin, je trouve quand même quelques nouveautés. On a ces paniers de rangement. Alors soit vous avez le lot de 3, hop, il est à 15,17€. Donc vous l'avez de cette couleur et de cette couleur. Soit vous pouvez les prendre enfin, séparément. Donc le petit était à 3,69€, le moyen 4,99€ et le plus grand 6,49€. Sinon on a ceux-là, le retour de ceux-là. Enfin le retour. Moi je me souviens des petits, mais pas des grands comme ça. Les grands, alors donc on commence, les 3 c'est 16,33€, vous pouvez aussi les acheter séparément. On a le petit, alors le petit qui est à 3,85€, le petit il est là. Alors je vois pas les tailles, donc je ne peux pas vous donner les tailles. Le moyen, ah attendez. Il fait 24 cm de hauteur et 25 de diamètre. Ensuite on a le M qui est à 4,99€, donc celui-là il fait, alors il faut pas que je me trompe, il est là, donc celui-là il fait 28, et après on a le plus grand, mais le plus grand il n'y en a plus, et le plus grand est à 7,49€. Un autre retour, c'est ceux des sous-assiettes de décoration 38 cm de diamètre. Alors normalement il y en a plus, il y a plusieurs modèles, voilà, il y a celui-là et celui-là, 2,69€. Ils font 38 cm de diamètre. Alors moi ceux-là je les ai vus beaucoup mis au mur, en décoration au mur. Donc 2,69€. Tiens, on retrouve les petits coffrets à bijoux. Donc là j'ai du doré, pailleté doré ou du noir. C'est les petites, elles sont à 4,99€. Bon c'est trop mignon, ça c'est pas une nouveauté, mais elles sont trop mignonnes ces pantoufles. 2,49€, elles existent en rose et en bleu, donc c'est bien parce qu'elles sont souples. Tiens, arrivage d'une nouvelle palette, enfin des palettes comme ça il y en a eu déjà, mais celle-ci avec ces couleurs là je m'en souviens pas, c'est 1,98€. Il y a 12 couleurs, c'est les seules couleurs que je vois. Alors petite astuce à chaque fois, parce que des fois quand il y en a plein on a du mal à chercher, moi je regarde, je passe un petit coup d'œil en haut et je regarde si c'est les mêmes chiffres ou pas pour voir s'il y a d'autres couleurs. Donc 1,98€, donc la marque Max & More. Tiens, un petit coup d'œil dans les cils avec ceux-là, les faux cils. Avec ceux-là, ils sont à 1,19€, mais je vois qu'il y en a plusieurs, il y a plusieurs modèles. Donc il y a ceux-là, les naturels, et ceux-là, partie eyelash. Donc voilà, ces deux-là. Donc 1,19€. Alors les fossiles Action, c'est vrai que ça part très très vite. Ceux-là, ils ont un grand succès. Il y a ceux-là, et puis il y a aussi ceux-là. Par 3. 99 centimes. Tiens, une petite nouveauté dans les baumes à lèvres. Donc toujours Max & More. Donc il y a l'huile d'argan, l'huile d'amande, l'huile de jojoba et l'huile de coco. Alors ça ressemble un petit peu à l'ancien... kit ou paquet, je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors je ne sais pas si c'est les mêmes ou pas, ou si c'est juste changé de paquet, de packaging, ou c'est des différents. Mais en tout cas, on retrouvait aussi ces quatre huiles. Donc amande, argan, jojoba et coco. Donc 1,98€.
Allez, ce matin, on ne termine pas par du chocolat, mais par du café. Café en grains, 4,95 €. Donc, si vous avez un petit moulin à café et tout. En tout cas, moi, j'adore l'odeur du café à chaque fois du grain. Bon, malheureusement, je n'achète pas en grains. Pourtant, j'ai un moulin à la maison. Il faudrait peut-être que je teste. Et j'ai aussi une cafetière, vous savez, à l'italienne, où on met le marc de café, etc. Et donc là, c'est 4,95 €, il y a 1,200 kg, donc il y a 1,2 kg plutôt. Et donc il y a classique, et il y a celui-là qui a l'air d'être un peu plus fort. Voilà, voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Quelques petites nouveautés en déco, notamment, je pense, l'étagère. Je pense que l'étagère, elle va beaucoup avoir un grand succès, malgré qu'elle soit à 49,95 €. J'ai déjà vu... sur plusieurs publications, et les paniers, voilà, gros gros bisous, je vous dis à plus tard.